with fresh oil. Ça. Monsieur. God bless you. Que Dieu te bénisse. There is no time. Il n'y a pas le temps. There is no time. Il n'y a pas le temps. Where's your passport? Où est ton passeport? My horn thou hast exalted like the horn of a unicorn. I said there is no time. Huh? Qu'il n'y a pas le temps. Where's your passport? Où est ton passeport? I see disappointment. Je vois la déception. I need to pray for this passport because I see breakthrough coming. Je dois prier pour cette passeport parce que je vois un percée venir. Je dois prier pour ton passeport My parce que je vois un percée venir. Like the horn of a unicorn, and I am anointed. Tell that young man. Dis à ce jeune homme. You should tell that young man. Dis à ce jeune homme. I'm seeing disappointment. Je vois la déception. Concerning traveling. Concernant le voyage. And I'm saying. Et je te dis. Bring your passport. Amène ton passeport. Because this disappointment is coming because God was opening door for you, but the enemy was closing. Parce que cette déception venait parce que Dieu était en train d'ouvrir une porte pour toi, mais l'ennemi venait aussi. There is no time. Il n'y a pas le temps. Your destiny. I see your destiny out of this country. Je vois ta destinée hors de cette pays. The enemy have delayed it. L'ennemi a retardé cela beaucoup. You have received disappointment. Check dans le voyage. This is open doors that ça, God is bringing it again. Ça c'est l'ouverture que Dieu est en train d'amener encore. Let me bless your documents. Il faut que je bénisse tes documents. Amen. Like a horn of the unicorn. Yes, I am anointed. See, regarde. I'm seeing a lady. Je vois une femme. I'm seeing a lady. This je vois lady, une dame. Cette dame. This lady. Cette dame. Have a role to play. Elle a un rôle à jouer. But. Mais. If care is not taken. Si tu ne fais pas attention. This lady needs prayer. La femme si a besoin de la prière. This lady, I'm seeing a lady. Cette, je vois une dame. This lady needs prayer. Cette dame a besoin de la prière. Have a role to play in your life. Et elle a un rôle à jouer dans ta vie. There are powers in their family. Il y a des puissances dans leur famille. They are fighting this lady. Qui combat cette dame. She needs prayer. Elle a besoin de la prière. Amen. That is true. You know him? That's my child, my spiritual child. C'est vrai, c'est mon okay, fils. You are spiritual son. Yes. Mon fils okay, you are the spiritual father. Yes. You are welcome. Vous êtes la bienvenue. God bless you. Que Dieu vous bénisse. I'm seeing a journey. Je vois un voyage. That is true. C'est vrai. And I'm seeing a lady. Et je vois une dame. This lady needs prayer. Cette dame a besoin de la prière. If not, sinon, it will be a loophole for the enemy to fight. Ça sera une route pour que l'ennemi passe. This lady needs prayer because this lady is also a source of blessing. Cette dame a besoin de la prière parce qu'elle est aussi une source de bénédiction. I'm seeing a trip before you, sir. Je vois un voyage devant vous. I'm seeing a trip before you. Je vois un voyage devant vous. Pray and ask God. Prie et tu demandes seeing, à Dieu. I'm seeing an encounter between you and a servant of God. Je vois une rencontre entre toi avec un serviteur de Dieu. I'm seeing an encounter between you and a servant of God. Je vois une rencontre entre toi et un serviteur de Dieu. This encounter is still coming. Cette rencontre si ça vient. It has a big impact in your life. Ça a un rôle à jouer dans ta vie. It's a short trip that you are going c'est to make. C'est un court voyage. Who is her? C'est qui? Is my second child is a future wife. C'est ma deuxième fille. Okay, is the fiancé of this young man? C'est son fiancé. It's the process. It's a process. Process. There is work that is need to be done. Il y a des travaux qu'on doit faire. In this relationship. Dans cette relation. Amen. Amen. It will be a blessing. Ça sera une bénédiction. But it needs prayer. Mais ça a besoin de la prière. God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Amen. Amen. Pray. There is something in your family. Prie, il y a quelque chose dans ta famille. There is something in your family that you always see yourself in the water. Il y a quelque chose dans ta famille que tu te retrouves toujours dans l'eau. There is a force. Il y a une puissance in your family. Dans ta famille. That is involved in water powers. Qui est inclus dans la puissance des eaux. This power is fighting you not to advance. Cette puissance te combat pour que tu n'avances pas. Always pray. If not, il faut continuer à prier sinon. I'm seeing you towards this water. Je te vois très proche de cette
towards this water. Très proche de l'eau aussi. Where's your mother? Où est ta mère? Bafoussam. Your mother is in Bafoussam. Yes. Commit your mother in prayers. Mets ta main en prière. Amen. Your mother in prayers. Mets ta main en prière. Commit her in prayers. Mets-la en prière. What God is about to do. Ce que Dieu est sur le point de faire. It will be like a yoke, a curse in the family to be broken. Ça serait comme un chouk qui serait brisé. Amen. What do you love, sir? So, everything you speak is true. Oui, homme de Dieu, tout ce que tu as dit, c'est la vérité. She is not a problem. The mother's problem. She know. Don't worry. What God is about to do, it will break that yoke in your family. Ce que Dieu est sur le point de faire, ça va briser cette chouque dans ta famille. Amen. God bless you. Que Dieu te bénisse. God bless you. Que Dieu te bénisse. Pray. Priez. Pray for the spirit of Paul. Priez pour l'esprit de Paul. Pray for the spirit of Paul. Priez pour l'esprit de Paul. Paul. Est-ce que tu connais Paul? Non. Paul? Ah, okay, I'm understand Paul. Ah, okay, in French is Paul. Yes, I know. Okay, do you know Paul? Yes. Pray for the spirit of Paul. Priez pour l'esprit de Paul. I see the spirit of Paul that God wants to give to you. Je vois l'esprit de Paul que Dieu est sur le point de te donner. Amen. Pray for this. Paul. Teacher of the word. Amen. Paul. L'enseignant de la parole. Paul. Be careful. Mais fais attention. Satan fought finances of the church. Satan a combattu les finances de l'église. Satan fought your finances. Satan a combattu tes finances. There is a woman. Il y a une femme. There is a woman I'm seeing. Que je vois. This woman was in church. Cette femme c'était à l'église. It's not your wife. Ce n'est pas ta femme. In church like a. Elle était à l'église. Comme... Like a Christian. This woman is fair. Cette femme est brune. But. Mais. The background of this woman. Le derrière de cette femme. Was not clean. N'était pas propre. Amen. Amen. This thing fought the ministry. Cette chose a combattu le ministère. There was something about this woman and this ministry. Il y a quelque chose avec cette femme et le ministère. It fought the ministry. Ça a combattu le ministère. Amen. Be careful. It's not. Don't receive everything from people. Fais attention. Ne reçois pas toutes choses qui viennent des gens. Don't receive everything. Ne reçois pas toutes choses qui viennent des gens. Amen. Amen. Don't receive everything. There are some kind of gift. You retreat and ask God first. Il y a certains dons que tu vas demander d'abord à Dieu. Some kind of gift that some people want to give, retreat, ask God first. Il y a certains cadeaux que quand on veut te donner, tu dois d'abord attendre, tu demandes d'abord à Dieu. This is where the enemy. C'est ici que l'ennemi. God bless you. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pray for your marriage. Priez pour votre mariage. Satan will want to fight you in that side. Satan va vouloir te combattre du côté là. That is true. Your marriage. C'est vrai, homme de Dieu. Satan wants to fight you in that side. Satan veut te combattre du côté là. But don't worry. Mais ne t'inquiète pas. I'm seeing your spirit clean. Je vois ton esprit propre. Amen. I'm seeing your spirit clean. Je vois ton esprit. If your propre. Spirit is clean, God will fight for you. Si ton esprit est propre, Dieu va combattre pour toi. Amen. Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Yes. I want to tell you something. La première fois, I'm speaking French. La première fois, je vous ai vu dans le rêve. The first time I saw you in my dream. Vous aviez un programme derrière Bocom. There was a program and I responded. C'est vous qui avez prophétisé dans ma vie. You were the one that prophesied in my life.
Et j'ai relancé l'œuvre parce que je m'étais découragé. I started redoing back the work of God because I got discouraged. C'était chez le pasteur Zambo. I was with Pastor Zambo. Donc c'est moi. I am the one. So, he saw me in his dream and I was prophesying to him. And what he was doing that he was relaxed from doing. After the prophecy, it helped him to start to do back the work of God. So this is the time. Donc voici le temps. This is the time. Voici le temps. This is the time. Amen. Voici le temps. Prier. You need to go for a fasting for this spirit of Paul. Tu dois prendre un jeûne pour cet esprit de Paul que je vous ai dit. Amen. C'est ce que je suis venu confirmer ce soir. That is what I came to confirm this evening. You say what? That is what I came to confirm this evening. Okay, that's what you came to confirm this evening. Yes. The angel that came down outside there. L'ange qui est descendu là-bas dehors. Down for you. L'ange là est venu pour toi. Amen. Amen. Please, those that are outside, be connected. I'm seeing an angel in your midst there. Ceux qui sont dehors, soyez connectés. Je vois un ange au milieu de vous. People that are outside, be connected. Ceux qui sont dehors, soyez connectés. There's an angel in your midst there. Il y a un ange là dehors, au milieu de vous. I saw him just descended in your midst. So. Il est venu descendre au milieu de vous. Amen. That angel came down for you. L'ange là est venu pour toi. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I'll see you. Je vais vous rencontrer. I'll see you. Madame, God bless you. Madame, que Dieu vous bénisse. The might of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. The might of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Madame, look at me. Madame, regardez-moi. God bless you. Que Dieu te bénisse. Pray for your marriage. Priez pour votre mariage. Hein? Yes, sir. Pray for your marriage. Priez pour votre mariage. If not, sinon, you will end up without a husband. Tu vas finir sans un mari. Hmm? Not that husband will not be there. Pas que le mari husband will come. Le mari va venir. Then husband will go. Et il va repartir. Pray for your marriage. Priez pour votre mariage. Have you heard? Est-ce que tu m'écoutes? The mighty Jesus Christ. The mighty Jesus Christ. Non, pour ça. Thank you. Merci. You're free. Tu es libéré. Madame, God bless you. Madame, que Dieu vous bénisse. Thank you, Jesus. Si. Tell her. Regardez, madame. Si. Pray for. Where is your husband? Prie pour ton mari. Où est ton mari? My husband is of late. Mon mari est mort. Hein? Mon mari est mort. My husband is of late. Your husband is dead. Yes. Pray. This Priez. Marriage. Cet mariage? Satan is in this marriage. Est dans ce mariage. Pray for your marital life. Priez pour votre vie maritale. Man will not come, man come, man will go. Man, l'homme va venir, après il va repartir. True, apart from this one that is dead. C'est vrai, homme de Dieu. Man came. Homme de celui qui est mort. L'homme est venu. Man came and man went. L'homme est venu et il est reparti. I want to hear you loud. It's true. C'est vrai, homme de Dieu. Apart from your husband that died, I see man came. Yes. And I see man go. J'ai vu un homme qui est venu et reparti. True, sir. Pray. It's a problem. Priez another one will problème. Still come. L'autre and va encore still venir go. Et il va encore repartir. That is to tell you. C'est pour te dire. There is a covenant. Il y a une alliance. Concerning your marriage. Concernant ta but vie that covenant is broken. Mais cette alliance est brisée. Jesus name. Au nom de Jésus. Be careful. I'm seeing a bad dream. It's true, my eh? It's true. I'm seeing a very bad dream that frighten you. Yes, it's true. Je vois un mauvais rêve qui t'a effrayé. I went in the jungle and I saw graves. And then I just yes. went and yes. C'est vrai, on yeah, this is pray. About death. Very frightful vision. J'ai eu un rêve, j'étais dans mon village, j'ai vu les tombeaux. You saw it when this night. Yes. J'ai vu les tombes. Yes. This bad vision that frightened you. Cette mauvaise vision qui t'a effrayé. Let me tell you, that vision did not come from God. La vision là n'est pas venue de Dieu. The enemy planted that vision. L'ennemi a mis cette vision. As you believe and fear in it. Comme tu crois et tu as peur. Then physical graves. Et physiquement. Will happen now in your family. Les tombes physiques vont se manifester dans ta famille. I cancel that vision of
graves in your family. J'annule cette vision des tombeaux dans ta famille. I cancel it in the name of Jesus Christ. J'annule cela. I cancel it in the name of Jesus Christ. J'annule cela au nom de Jésus. I cancel it in the name of Jesus Christ. J'annule cela au nom de Jésus. Anyone that have dug graves, toute personne qui a creusé la tombe, for you people, pour vous, they themselves will enter that grave. Eux-mêmes vont entrer dans cette tombe. They themselves will enter that grave. Eux-mêmes vont entrer dans cette tombe. Madame, be careful. Madame, faites attention. This woman standing before me. Madame, faites attention. Faites attention. Hmm? Est-ce que tu m'écoutes? I declare your family free. Je déclare ta famille libre. Every graves in that family. Tout tombeau dans cette famille. I cover them all. In Jesus' name. I cover them all. Je couvre cela au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. Thank you. Merci. How are you? Comment allez-vous? I'm seeing a child. Something happened with a child. Je vois un enfant. Quelque chose s'est passé avec un enfant. There's a child that something happened with. Il y a un enfant que quelque chose s'est passé. You people should be careful. Faites attention. Vous devez prier dans votre famille. Amen. Amen. Something happened with a child. Quelque chose s'est passé avec un enfant. This is blood. Ça c'est le sang. Something happened with a child. Quelque chose s'est passé. Ça c'est le sang. This is a curse. Ça c'est une malédiction. That needs to be broken. Qui doit être brisé. Help me, Jesus. Help me, Father. Children are blessing from God. Les enfants sont les bénédictions de Dieu. Amen. In your family, I'm seeing blood. Dans ta famille, je vois le sang. In the hand of somebody. Dans la main de quelqu'un. Kiss me, Papa. I had an abortion once. I know. I don't want you to open it up. I need to be saved, Papa. I need to be washed away from this curse. But because you have that heart, parce que tu as eu ce cœur, to accept and open it up, pour accepter, I wanted et dire la vérité, I wanted to cover wisdom, je voulais couvrir avec la sagesse, but as you have opened it up, mais comme tu as relâché cela toi-même, I said, be careful, this is blood. J'ai dit, fais attention, ça c'est le sang. I said, children are blessing from God. J'ai dit, les enfants sont les bénédictions de Dieu. It's a curse that needs to be broken. C'est une malédiction qui doit être brisée. If not, children will run your womb. Sinon, les enfants vont fuir tes entrailles. What happened that you sent out this child? Qu'est-ce qui s'est passé que tu as retiré cet enfant? I wasn't ready for it, Papa. Je n'étais pas prête pour cela, Papa. God is a merciful God. Dieu c'est un Dieu miséricorde. God is a merciful God. Dieu c'est un Dieu miséricorde. Amen. Lord have mercy on my soul. Seigneur, aie pitié de mon âme. Have mercy. I'm seeing how children were already preparing that none of them will come again to your womb. J'ai vu comment les enfants se disaient qu'ils ne vont plus entrer dans tes entrailles. If this yoke is not broken, si this lady will not be able to conceive. N'est pas brisée cette. Oh Lord, help dame me. Ne sera pas capable de concevoir. I see our children will be running your womb. Je vois comment les enfants seront en train de fuir tes entrailles. Help me, Lord, help me. Come. Mets-toi debout. Come. Kneel down here and face the cross. Mets-toi en genoux ici et tu regardes la croix. Do you guys remember? In the name of Jesus, there is healing. There is deliverance. God bless you. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. See. Regarde. This woman I'm seeing this picture, I'm seeing a man. Cette femme que je vois sur cette photo, je vois un homme.
I'm seeing a man in her family. Je vois un homme dans sa famille. This man in her family. Cet homme dans sa famille. Release something. A relâché quelque chose. Something. This thing is the younger brother of madness. Cette chose c'est le petit frère d'être fou. Against this woman. Vérité homme de Dieu. Contre cette femme. There is a man. This man is in this family. Il y a un homme, cet homme est dans this cette famille. This man did something to this woman. Cet homme a fait quelque this chose à cette femme. This thing is mini madness. Cette chose là c'est être fou c'est un ma peu. Mère. Hein? C'est vrai homme de Dieu. Who's, man who is my mother? C'est ma maman. She's my mom. It's your mother. Yes. If you see the way your mother is behaving, it's as if she's not normal. La façon vérité si tu vois la façon que ta mère se comporte, c'est comme si elle n'est pas normale. Vérité homme de Dieu. Elle ne raisonne plus normalement. Elle est en France. It's true. Elle est encore. C'est comme si elle n'était plus. Je la reconnais plus. On ne la reconnaît plus. She's no longer elle est même hospitalisée là. On a même peur qu'elle peut mourir à tout moment. She's in France. She is hospitalized. We are afraid. Elle peut mourir à tout moment. Le diagnostic qu'on a donné, vraiment, nous avons peur. That woman lost her. We are really afraid. On a peur de sa vie. We are afraid of her life. On a dit qu'elle a le VIH. Alors que moi, quand je regarde ma mère, je ne crois pas. They said she's having diabetes. HIV, but when I look at my mother, I don't see it, and they said they also have high blood pressure. Yes, these sicknesses, put these sicknesses aside. Mais ces maladies de côté. Even before they wanted to talk about these sicknesses. Même avant de parler ces maladies. This woman. Cette femme. There is a charm of madness over this woman. Il y a un envoûtement de folie sur cette vérité, femme. Vérité, homme de Dieu. She can say something now. Elle peut dire quelque chose maintenant. After she change it. Après elle change. Vérité, homme de Dieu. C'est très vrai. Change it. So opposite. Elle peut dire quelque chose maintenant. Après quelque temps, elle dit le contraire. Her problem came from her family. Son problème est venu de sa famille. This is jealousy. Ça c'est la jalousie. Vérité, homme de Dieu. Vérité, homme de c'est Dieu. Vrai. This is jealousy. Vérité, qu'on a, qu'elle a arraché les bénédictions de leurs enfants pour donner à eux. Donc, comme elle est partie en France, elle est bien là-bas. Donc, tous ses frères et sœurs sont jaloux d'elle. Okay, that his brothers are angry that she have taken all their blessings and give it to her own children. Yes. Yes, these brothers, one of them, went ahead and did something. Ils sont partis quelque part et fait quelque that chose. That affected the memory. Qui a affecté la mémoire de cette femme. De Dieu. But as I'm speaking now, comme je parle maintenant, that power, cette puissance, over his life, sur sa vie, that power is cette puissance est brisée au nom de Jésus. That charm has expired today. Cet envoûtement est brisé. In the mighty name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. That charm over this lady has expired today. That charm of madness has broken in the name of Jesus. Est brisé au nom de Jésus. That charm is broken in the name of Jesus. Amen. See, there's a repatriation that I'm seeing. Regarde. In this, not for this woman. The family of this woman. Je vois un rapatriement que je vois. The family of this woman. Qui va venir de la famille de cette their femme? Own children, leurs I enfants. See repatriation. Je vois comment on va les rapatrier. Repatriation. On va les rapatrier. I see repatriation. Je vois. Somebody repatriated. They have was repatriated. Il y a quelqu'un qui avait été rapatrié. C'est vrai homme de Dieu. Il s'agit de la petite sœur de ma maman. On avait fait voyager sa fille au niveau de la Belgique. On l'avait rapatriée. It's true, man of God, the younger sister of my mother. They repatriated her. Yes. Yes. This repatriation was also under the same program of this madness. Because the person that causes the repatriation of this child, the person is in the same family but is not his own child. As the person did this to your mother, they also caused the repatriation of the other one. But as I speak now, comme je parle maintenant, doors for traveling are open. Les portes de voyage s'ouvrent. Doors for traveling are open. Les portes de voyage s'ouvrent. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. So shall it be. Amen. In Jesus' name. Amen.
Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. To the glory of God, you can see how our mother is being set free through his son who stood the gap for her. Celebrate, Master Jesus. Father, I pray for your daughter. Père, je prie pour ta fille. Before departing from this world, avant de quitter de ce monde, you told the apostles. Tu as dit. You gave them power. Apôtres, tu les as donné de puissance. And you told them. Et tu les as dit. Anybody's sin that they forgive. Que tous les péchés des gens qui vont pardonner. The person will be forgiven. La personne serait pardonnée. I stood here under the sign of that covenant. Je me tiens ici sous le sang de ta mère. Et je déclare sur ta fille. That her sins are forgiven. Que ses péchés sont pardonnés. Her sins are forgiven. Ses péchés sont pardonnés. That blood in his her hands has been wiped out today. Hey, in the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. I welcome children in your womb. I welcome children in your womb. I declare that your sins are forgiven. And I declare that your womb is blessed. Jesus died for your sins. Jésus est mort pour tes péchés. Today, aujourd'hui, you receive your freedom. Tu reçois ta liberté. You receive your salvation. Tu reçois ton salut. Everything that was stagnant in your life, tout ce qui était because of this mistake, à cause de cette erreur, let doors be opened back to you. Que les portes s'ouvrent encore. In Jesus' mighty name. Au nom puissant de Jésus Christ. Thank you, Jesus, for saving. Rise up. Your sins are forgiven. Jesus loves you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for restoring me, Lord. Where's your mother? Where ta mère? My biological mother, she's in Kumba, in Binganjo. Ma mère biologique est à Kumba. The reason why I'm asking for your mother. La raison pour laquelle je demande ta mère. The way your life is going. La façon que ta vie part. The door was opened by your mother. La porte a été ouverte par ta mère. Pray, your mother. Ta mère. Your mother. Ta mère. Pray. Pray. Amen, man of God. Pray for your mother. God should show mercy over your mother. Prie pour que Dieu montre la miséricorde sur ta mère. Amen. People should not suffer. Que vous ne souffrez pas. What other people did. Papa, ce que I'm les so autres fat. Personnes ont fait. I'm so fat. It is well. It is well. It is well. It is well. Thank you, Jesus. Madame, God bless you. Madame, que Dieu vous bénisse. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Where is your husband? Où est ton mari? God bless you, sir. Monsieur, que Dieu thank vous bénisse. No, wait there. Come. Go beside your husband. Where are you people's children? Où est vos enfants? Ils sont à la maison. They are in the house. Do you know France? Est-ce que vous connaissez la France? Yes. Do you know France? Oui. Yes. I'm seeing an open door. Je vois une ouverture. In France. En France. Amen. Your yeah. children. Tes enfants. Your children. Vos enfants. Amen. People should take care of these children. Prenez soin de ses enfants. There is one of your child that will bring blessing to this family. Il y a l'une de vos Amen. Enfants qui va amener la bénédiction dans cette famille. This is France I'm seeing. Je vois la France. Amen. This is France I'm seeing. There is somebody in France. Il y a quelqu'un en France. Amen. Hmm? There is somebody in France. This person concerns you people. Cette personne-ci. This person will help concerne. One of your child. Amen. La personne-ci va aider l'une de vos enfants. It will be a blessing to you people. Ça sera une bénédiction Amen. Pour vous. Amen. And be careful. Et fais attention. Also pray against in and out of the hospital. Priez aussi contre aller à l'hôpital et ressortir, partir et ressortir. Monsieur. Et monsieur. I'm seeing a son. I'm seeing a son. Je I'm vois un fils. Attack. Il sera attaqué. Pray. Priez.
This child very soon. L'enfant si très bientôt. This attack will take this child now to the hospital. L'attaque si va mener l'enfant à l'hôpital. Hmm? There's an attack over one of your son. Il y a une attaque sur l'un de vos fils. This son, people should be careful with this child. It's a great child. L'enfant, si vous devez faire attention, c'est un grand son. Satan will keep attacking this child over and over. Satan va continuer à attaquer cet enfant-ci toujours. Help us, Jesus. Aidez-nous, Jésus. Help us, Jesus. Thank you. Thank you. Thank you. You people should not be involved. Hmm? You don't involve in what your father was involved in. Il faut pas t'inclure sur ce que ton père faisait. Hmm? No matter how they will give put pressure. Peu importe comment on va te mettre la pression. On you. Sur toi. Don't be involved in it. Il faut pas te rejoindre. Hmm? Il faut pas t'amener. The tradition of your father. Don't be involved in it. Il faut pas t'inclure sur ce que ton père faisait. La tradition de ton père. The tradition of your father. La tradition de ton père. I'm seeing a dangerous tradition. Je vois une tradition dangereuse. Yes, thank you, Jesus. I'm seeing a dangerous tradition. Je vois une tradition dangereuse. This tradition has something to do with the part of dead bodies. La part of dead bodies. Les parties de corps. Thank you. You don't know what your father was doing. Hmm? Tu ne connais pas ce que ton père faisait. In your compound, there dans is votre a room. Concession, il y a une chambre. There is a room. Il y a une chambre. Right now, as we speak, comme je parle maintenant, there are human parts in that room. Il y a les parties humaines dans cette chambre. Of course, Jesus. Huh? Of course. Dans nos coutumes bamileke. In our tradition, you are bamileke. Yeah. I'm from the bamileke. Mm-hmm. So then. Quand quelqu'un décède, when someone dies, et puis après ça, son crâne, after that they remove his, est enlevé, his skeleton, et his puis core, ce crâne, on y va souvent faire des coutumes. We remove it and we go pour adorer, remercier, apprécier, to worship and to thank it. Okay, that in their tribe, when person died, they go and keep remove skull, the skull of the person, and keep it, and be adoring it. Yes, sir. The Lord say you should not involve in it. Le Seigneur me dit que tu ne dois pas te mêler sur ça. Have you heard? Amen. Whether it is your tradition, but God is not in that tradition. C'est vrai que c'est ta tradition, mais Dieu n'est pas dans cette tradition. If you involve in it, si tu t'inclus sur ça, the light I'm seeing, la lumière que je vois, over you and your children, sur toi et tes enfants, that light will be quenched. La lumière là sera éteinte. Amen. That light will be quenched. La lumière là sera éteinte. No matter why am I talking so? Because I'm seeing they will be giving you pressure. Je vois comment on va te mettre la pression. They will be giving you pressure. On va to te mettre la pression. Tradition. Pour que tu pars là-bas, vous faites cette tradition aussi. But don't go. Mais ne pars pas. Amen. Don't go. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Sèche ta larme, ma sœur. Regarde en Jésus. Please. Change this mic. This. Where is who is the successor of your father? Qui est le successeur de ton père? C'est mon grand frère. My elder brother. Your elder brother. There is something I want to talk to you. Il y a quelque chose que je veux vous en parler. Concerning your elder brother. Concernant ton grand frère. Huh? The successor of your father. Le successeur de ton père. Has opened doors. A ouvert la porte. Has opened doors. A ouvert in the family. La porte pour Satan dans la famille. A meeting. Il y a une réunion. Please. Come inside. Come inside. This. Mics. See. Regardez. Is it the same family? Oui, c'est mes enfants. Hein? C'est mes enfants, madame. Okay, these are your children. Yes. The successor of your father. Le successeur de ton père.
There is something that he failed. Il a échoué quelque part. To do. Il a échoué de faire quelque chose. A successor. Le successeur. Does not have to select people. Il ne doit pas choisir les gens. To work with in the pour family. Travailler avec eux dans la famille. The successor is supposed to be the father of the family. Le successeur doit être le père de la famille. It's not to select people. Il ne doit pas sélectionner les gens. To be with. Pour travailler avec eux. While the others. Pourtant les autres. He keeps aside. On met de côté. Hmm? Oui, pastor. Number two. Numéro deux. There is something that your family. Il y a quelque chose que ta famille. Your father's did. Ta famille a fait. There's ton something père, that, la génération de tes pères, ils ont fait quelque chose. This thing was an abomination. Ce chose, c'était une abomination. This thing, as you people, the successor, as he took over. Le successeur, comme il a pris. He took après over, ton père. He took over the curse. Il a pris la malédiction. There is a curse that this curse came to your family. Il y a une malédiction qui est venue dans votre famille. Came to other families in qui your est venue village. Dans les autres familles dans votre village. Because your fathers they did something in that village. Parce que tes pères ont fait quelque chose dans ce village. This thing brought curse. Ce chose a amené la malédiction. This curse, I'm seeing this curse over your family through your ancestors, through your successor. Je vois cette malédiction dans votre famille à travers le successeur. This message is, I believe this message is too deep for you. This thing was concerning your father. Le message est vraiment très profond pour toi. Ça concerne him and some other people. Lui avec certaines personnes dans le village. They involved in something that was bad. Ils se sont inclus dans certaines choses qui étaient mauvaises. Repercussion visited all these people, including your father. Les conséquences ont visité ces gens, c'est la même ton père dans vos villages. Is your husband? Oui, pastor. C'est votre mari. I'm seeing you drop out of school. Je te vois quitter l'école. Be careful. Fais attention. Say, help me, Jesus. Dis, aide-moi, Jésus. You want to drop school? Tu veux quitter l'école? No. I'm seeing you dropping out of school. Parce que je te vois quitter l'école. Hmm? Mm. If Dieu ne help you, school will be very hard for you. Si Dieu ne t'aide pas, l'école serait très difficile pour toi. Hmm? School will be very hard, and then you will become very discouraged. L'école serait très difficile pour toi, et tu vas te décourager à la fin. She will struggle in school to tu, learn. Tu vas essayer d'apprendre. It will be difficult for her. Ça serait très difficile pour elle. C'est vrai, mon père. Dernièrement, elle a validé ceci, ma ceci discipline à l'université, elle a validé deux. J'ai constaté qu'elle est faiblissée. Ça lui a démoralisé. You say what? That the six courses she had in the university, she validated just two and she became discouraged. Yes, I'm seeing this discouragement will cause her now she will want to drop. So. Je vois ce découragement va faire qu'elle va vouloir laisser. So Satan, don't drop. Ne laisse pas. Satan was the one fighting you. Satan était celui qui te combattait. With school knowledge. À travers la connaissance not that, de l'école. Not that you are not intelligent. Pas que tu n'es pas intelligent. But the enemy was fighting your intelligence. Mais l'ennemi combattait ton intelligence. The match of Jesus Christ. You don't want to receive your deliverance? Tu ne veux pas être délivré? Do you know why I'm delivering you? Est-ce que tu sais pourquoi je te délivre? Spirit of stubbornness. L'esprit de la têtuesse. It's true. Spirit it's of true. It's true. It's true. C'est la Benjamin, mais elle est plus têtue que les aînés. It's true, man of God. She's the on l'a enlevée au lycée pour l'envoyer à la conquête jusque là. So she's stubborn until they change her school, but even like yes. That, it's not still going. Yes. So when I want to deliver her, she's running. Je vais la délivrer. So God told me that it's stubbornness that I want to deliver her from. Where is she running? Dieu me dit que c'est la têtuesse que je vais la délivrer. The mighty of Jesus Christ. The mighty of Jesus Christ. That spirit of stubbornness. Cet esprit de têtuesse. The mighty of Jesus Christ. The mighty of Jesus Christ. Be free. Be free.
the might of Jesus Christ. Au nom puissant de Jésus Christ. Any power of stubbornness over your life. Tout esprit de la têtuesse ta vie. Let that power be broken. Que cette puissance soit brisée. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you, Lord. Merci. See. Regardez. You should be like the mother of your siblings. Il faut être comme la mère de tes petites. Have you heard? Yes. Be like the mother of your siblings. Sois comme la mère de tes petites. I'm seeing you with a heart. Je vois ton cœur. To take care. Je vois le cœur. Tu prends soin. Hmm? I'm seeing you among your siblings. I'm seeing you. You have the heart to take care of your siblings. Je dis parmi tes frères et sœurs, tu as le cœur là de prendre soin de tes frères et sœurs. Hmm? Where's your mother? Où est ta mère? See, among them, I'm seeing her. She have that heart to parmi take care. Parmi eux tous, je vois que elle a le cœur là de prendre soin. Vérité. Huh? Vérité. So continue with that heart because there is a reward for you. Continue avec cette cœur parce qu'il y a une récompense pour toi. Amen. Mm? Take care of your younger ones. Prends soin de tes petites. Thank you, Jesus. God Amen. Bless you. Que Dieu te bénisse. Amen. God bless you. You are still watching your screen. I'm connected with congratulations, faith. Eh? Félicitations. Thank you. Hmm? Thank you. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Félicitations. You see this relationship? Tu vois cette relation? Hmm? Tu vois cette relation? You see this relationship? Tu vois cette relation aussi? This relationship is still today out of your faith. Cette relation existe toujours aujourd'hui, c'est à cause de ta foi. Vérité. Vérité. Out of your faith. À cause de ta foi. Daddy, c'est vous qui avez prié pour que son mari revienne au Cameroun quand on était derrière Bokom. Hein? C'est vous qui avez prié pour elle son mari revienne au Cameroun. Il était au Congo. Et son mari est revenu. Il avait fait 10 ans hors du pays. Man of God, you were the one that prayed for her when her husband was still out of the country. We were behind Bokom. You prayed and her husband came back. Whereas he has stayed 10 years outside. Okay, your husband. This man has paid 10 years yes. in Congo. Yes. I was the one that prayed. Yes. And he came back from where he was. Yes. Glory yes, to God. So this is the way you give the testimony. Amen. Amen. So voici this la one is by false testimony. Donc, ça, force à témoigner. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Amen. I'm seeing it's by faith that this relationship is still together. C'est pas la foi que cette relation. Can you understand my message now? Est-ce que tu comprends mon message maintenant? Can people understand my message now? Est-ce que vous comprenez mon message maintenant? When God speaks, it looks foolish in the eyes of men. Quand Dieu parle, ça semble bête les yeux des hommes. Imagine your husband 10 years. Imagine ton mari 10 ans. Out in Congo, suffering there and nothing. Là-bas, rien, vous n'avez pas de connexion. Upon everything she suffer. And tout ce qu'elle a traversé, the man still came. L'homme est revenu. And she still accepted. Elle a toujours accepté. Not that the man came with millions. Pas que l'homme est venu avec les millions. The man came. Il est venu comme ça. Did he come with any millions? Il est venu avec les millions? Non. Huh? Non. Do you come with any millions? Il est venu avec les millions. Non. Thank you. So is that not the faith of this woman? Clap for this woman. Congratulations. Félicitations. God bless you. God bless you. Young man. Jeune homme. God bless you. Que Dieu te bénisse. Look. Regarde. There is a discussion on a table. Ian. Yes, sir. There is a discussion on a table concerning you. Il y a une conversation sur la table te concernant. Yes, this person have discussed. Cette personne s'est causé. Something about you. Quelque chose qui te concerne. Because the enemy wants to send you back to the village. Parce que l'ennemi veut te renvoyer au village. But this person is discussing something. Mais cette personne est en train de causer quelque chose. What is needed of you now? Ce que tu dois faire maintenant. Humbleness. Il faut être humble.
Humbleness. Il faut être humble. Humbleness. Il faut être humble. Yes, man, okay. Humbleness. Il faut être humble. The mighty Jesus Christ. 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 Be loose. Sois libéré. Be loose. The mighty Jesus Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. The mighty Jesus Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. The mighty Jesus Christ. Now loose man, go. Libère-le et tu pars. Go. Mighty Jesus Christ. Go. The mighty Jesus Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. The mighty Jesus Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Let your destiny be revived. Que ta destinée soit réveillée. Let your destiny be revived. Que ta destinée soit réveillée. Let your destiny be revived. Que ta destinée revive. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Thank you. Rise up. Mettez-vous debout. Where is your brother? Où est ton frère? Yes. Thank you, Jesus. Come. Avancez. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Young man. Jeune homme. Be on fasting for 3 days. Il faut jeûner pour 3 jours. Amen. Be on fasting for 3 days. Il faut jeûner pour 3 jours. Fast for 3 days. Jeûne pour 3 jours. And let your passport be prepared. Et que ton passeport soit préparé. Have you heard? Thank you. Fast for 3 days. Let your passport be prepared. Thank you, ma'am. Jeûne pour 3 jours et que ton passeport aussi soit préparé. Yes, and this is my brother. Since that the woman that he was living with, he promised to take him out, but at time after she won't say anything. So I asked him, we asked him to make a passport, but he don't. He cares less about it. He's not even serious. And this one, what you are saying is true. He's very disobedient. He's not humble. Just after yesterday, the elder brother came and be telling him that we should struggle, we should learn camion, this to be a driver. But he talked to me anyhow. He's very stubborn. I told you to be humble, not so? Je t'ai dit d'être humble, n'est-ce pas? I told you to be humble. Yes, sir. And they are discussing to see how your life can be. Ils sont en train de causer pour voir comment ta vie sera. But humbleness is the problem. Mais être humble c'est le problème. Then I this one told me that he cannot fast. That if he fasts, he will just die. He told me he cannot fast. Yes. Whether he likes it or not. Tu veux ou pas? You said they promised to take you out of the country for long. The person is not doing anything again, also. Yes, that's what you are saying. Yes, daddy. So whether you like it or not, you need to fast. Because I'm seeing a power that is holding this person not to do what she has promised. When you fast, that power will be broken. Tu dois jouer. And I said this fasting should go along with preparation of passport. Si tu jeûnes, cette puissance de ténèbres sera brisée.